Est-ce qu'on peut appeler ça une thérapie? Déjà, c'est un grand sujet. Est-ce que ça pourrait prendre la forme d'un accompagnement aussi? L'idée, c'est d'être accompagné dans les épreuves de vie qui nous sont proposées. Ça peut être la rupture, ça peut être des soucis de santé qui, bien sûr, sont pris en charge par la médecine traditionnelle, puisque je ne m'y substitue absolument pas. Ça peut être des questions spirituelles. Ça peut être je souhaite sortir de la religion, je souhaite sortir de mon couple, je souhaite trouver ma voie professionnelle. C'est des problématiques qui reviennent souvent. Également des problématiques d'addiction, des problématiques de troubles alimentaires. C'est vraiment extrêmement large. Ce que je constate la plupart du temps, c'est que les gens souhaitent sortir des impasses que leur propose la psychologie traditionnelle ou classique, ou l'approche psychanalytique classique, où en fait nous trouvons la limite des mots. Donc on se pose une question, on se pose une problématique, on se rend compte qu'on aimerait bien changer quelque chose, et dans ces approches traditionnelles, on rencontre la limite des mots, c'est-à-dire c'est comme si j'avais envie de cuisiner et finalement je ne fais qu'acheter des livres de recettes. Donc je me retrouve avec une bibliothèque remplie de livres de recettes, mais j'ai toujours la dalle. L'idée, c'est d'aller ouvrir ces livres de recettes et éventuellement ne pas faire que les ouvrir, mais aller acheter les aliments et aller cuisiner soi-même pour essayer de faire quelque chose qui ressemble plus à une expérience directe et ne pas être dans une approche qui est strictement, comment dire, verbale, mais aussi expérientielle et de voir à quoi les mots nous convoquent. Donc bien sûr, ce que je fais, que ce soit à travers mes livres ou à travers les consultations ou à travers les stages, on reste aussi dans les mots, mais ce n'est qu'une face de la pièce. La question, c'est comment est-ce qu'on vit les mots, comment est-ce qu'on les traverse? Le mot que je prononce là, qu'est-ce qu'il va créer en toi? Et comment est-ce que tu peux te positionner face à cette parole, face à ce mot, mais en termes de ressenti, en termes d'émotion? Et puis on va jouer avec ses émotions, on va jouer avec ses ressentis, et la plupart du temps, quelque chose demande à être vécu, quelque chose demande à être vu ou entendu à l'intérieur de nous. C'est la problématique du, la problématique, le sujet du subconscient ou de l'inconscient, collectif ou individuel, qui peut être évoqué plus tard. Voilà. Donc je parlais des limites de l'approche purement verbal. Certaines personnes ne se construisent qu'à travers une forme de cérébralité. Il y a un trauma, il y a une blessure, et pour faire face à ça et pour arriver à traverser la vie face à l'incompréhensible, on développe une forme de cérébralité qui procède de l'ego, très accentuée, qui fait qu'on va aborder la vie en mettant des mots sur les choses et en se construisant une perception du monde avec des briques de langage pour arriver à affronter ça et ensuite, avec le langage, manipuler notre traumatisme et manipuler le monde. Et quand je dis manipuler, c'est bien sûr positif puisque ça devient un outil de survie. Ce qu'on découvre chez ces gens-là, c'est leur incapacité à ressentir. On se coupe de toute forme de ressenti, puisque ça va être très difficile de mettre des mots dessus, on se coupe de l'intuition, on se coupe des émotions. Et l'idée, c'est de créer un pont entre ce qui se passe ici, entre ce cerveau, cet ego, ce mental surefficient qui a ses limites, et ce qui se passe ici vraiment. Et comment est-ce qu'on crée un pont? Tout simplement en appelant la personne à se connecter à ses ressentis, et voilà. L'inverse existe aussi, des gens qui sont 100% dans les émotions, qui n'arrivent pas à s'exprimer et qui sont complètement victimes de ce qui émerge en eux dans certaines situations. Ça peut donner lieu à des troubles alimentaires, ça peut donner lieu à des addictions qui sont en somme parfois des comportements de fuite. Et là, l'idée, c'est de faire l'inverse. Et on va mettre des mots pour arriver à une forme de conscientisation de ce qui est en train de se jouer en nous. C'est Jung qui disait, tant que nous rendrons pas l'inconscient conscient, il dirige notre vie et on l'appelle destin. C'est pour ça qu'on en arrive à toujours répéter les mêmes choses. C'est aussi souvent un sujet pour lequel on me consulte. On me dit, mais il m'arrive toujours la même chose, il m'arrive toujours la même chose et je revis toujours la même chose. En réalité, la vie nous propose ce que nous n'avons pas encore intégré, ce que nous n'avons pas encore vécu, ce que nous n'avons pas, au sens alchimique du terme, encore transmuté. Et puis on le revivra
sans cesse. Le processus que je propose, il pourrait être simplifié en trois étapes. Conscientisation, acceptation, et la troisième, selon ce qu'on souhaite en faire, on pourrait l'appeler pouvoir personnel, responsabilisation, choix ou liberté. Mais ça, c'est de cet ordre-là, c'est dans ce champ lexical-là. On va l'appeler ici responsabilisation. Je ne peux pas me responsabiliser de quelque chose que je n'ai pas accepté, et je ne peux pas accepter quelque chose que je n'ai pas conscientisé. Donc le travail consiste à prendre conscience, à faire en quelque sorte une forme de cartographie, et ensuite descendre dans le territoire, parce qu'avec la carte, qui pourrait, selon moi en tout cas, représenter le travail de la psychologie ou l'approche psychanalytique traditionnelle, on a la carte, mais comment est-ce qu'on fait quoi, hein? La question, c'est comment est-ce qu'on descend dans le territoire. Donc ça, le travail d'acceptation par ce qu'on peut appeler l'expérience directe, nous permet de faire quelque chose de cette conscientisation, de ce travail de cartographie. Vient après la responsabilisation, ou le choix, ou la liberté, ou le pouvoir personnel. Je ne peux pas être libre de mes choix, ou je ne peux pas me responsabiliser de quelque chose que je n'ai pas accepté, parce que si je ne l'ai pas accepté, je suis en réaction. Et donc je ne suis pas libre, puisque je suis en réaction, appelons-la épidermique, à la problématique que je traverse. Donc voilà une manière, une des nombreuses manières de travailler, et encore travailler. C'est pas le bon mot, puisque ça vient de tripalium, torture en latin. J'aime bien dire faire lumière ou faire conscience. Un cas concret de schéma répétitif. La question est toujours, très souvent, qu'est-ce que j'ai besoin de vivre pour avancer ? Donc, dans la mesure où je subis un trauma, et ce trauma a été enfoui ou surmentalisé, justement, pour pouvoir le traverser, je crée un comportement en réponse à ce trauma. Ce comportement, dont je suis souvent pas conscient, d'autant plus qu'il m'aura permis de survivre, permis de traverser la vie, moi j'appelle ça souvent couler d'échappe sur l'inconsolable, pour pouvoir marcher droit, hein. Donc on a un champ de ruines ou un charnier, on coule une chape dessus et puis c'est super. Sauf que de temps en temps, les morts se réveillent au contact de certaines situations. Donc il faut attaquer la dalle ou la chape à la pioche. C'est un peu le travail qu'on peut faire en stage, par exemple. Et ce comportement, vu qu'il est monolithique, puisqu'il répond à une problématique et que finalement, bah tiens, j'ai vécu une problématique, j'ai vécu un trauma, j'ai vécu une blessure dans mon enfance ou mon adolescence, le comportement que j'incarne maintenant m'a permis de le traverser, du coup ça devient mon outil de prédilection. Sauf que cet outil de prédilection, il va restreindre le champ des expériences, puisque je vais répondre de manière stéréotypée à toute une variété de traumas. Et du coup, c'est en cela que notre comportement nous convoque, nous pousse à revivre toujours les mêmes choses. Donc par exemple, je ne rencontre que des gens qui finissent par m'abandonner. Finalement, on est dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à une forme de vérification. Est-ce que je vais encore me faire abandonner ? Donc bien sûr, je vais être attiré par les gens pour lesquels je pressens la possibilité d'un abandon. Tiens, là je vais aller vérifier, tout ça c'est un processus inconscient, hein. Je vais aller vérifier, voir si cette fois-ci je peux éventuellement ne pas me faire abandonner. Mais pour bien le vérifier, parce qu'il faut bien le sentir, mais je vais tout faire pour être abandonné. Et finalement, je réussis, et c'est fabuleux, sauf que je répète encore une fois quelque chose que je n'ai pas, encore une fois, transcendé, ou que je n'ai pas compris, ou que je n'ai pas intégré. L'idée, c'est de prendre conscience de quels sont les mécanismes sous-jacents, comme celui que je viens d'évoquer ici. Pareil avec les comportements alimentaires, il peut arriver qu'on ait un comportement alimentaire qui consiste à étouffer ses émotions, à remplir un vide. L'idée, c'est de comprendre d'où vient le vide, quelle est la nature du vide. On se rend compte, quand on va vraiment au fond de cette considération-là, par exemple à travers la méditation, que le vide est plein. Plein de nous-mêmes, plein de notre source, plein de cet être qui englobe notre ego, notre identité, qui était là avant nous et qui sera là après nous. Certaines personnes l'appellent âme ou conscience universelle, etc. Mais comme on n'est pas connecté à ça, comme on a coupé le lien avec l'esprit dans notre
société et notre culture matérialiste et consumériste, ça semble très très vide vu que le pont n'est pas fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ce vide, on le remplit avec des rencontres, avec une sexualité abondante, avec des addictions, avec des comportements alimentaires. Et l'idée, c'est, dans le cas d'un comportement alimentaire par exemple, si on devait juste très brièvement survoler le sujet, c'est de se demander, mais qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Rien que cette question, elle peut absolument tout changer. Quelqu'un qui ouvre son frigo 10 fois par jour ou 15 fois par jour, comme ce fut mon cas par exemple il y a 15 ans, la question qui a tout changé, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, j'ouvre mon frigo, je bouffe quand même, mais au moins je sais pourquoi je le fais. Dans les gens qui présentent des addictions ou des comportements addictifs par exemple avec l'alcool, ce qui est important, et ça c'est quelque chose de très contestable dans mon approche, ce qui est important, c'est de ne surtout pas arrêter et de ne surtout pas se réfréner. Donc quelqu'un qui a un problème d'alcool, ce qu'il rencontre dans sa vie potentiellement, c'est une opposition. Tout le monde lui dit tu as un problème, il faut que tu arrêtes. Donc s'il vient me voir et je lui dis tu as un problème, il faut que tu arrêtes, d'autant plus qu'il veut arrêter, je vais m'inscrire dans la même opposition que tout le monde, et puis il va rencontrer exactement le même schéma qui aujourd'hui ne l'aide absolument pas à s'en sortir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il consulte. Non, il faut vraiment y aller. La question, c'est combien de fois est-ce que tu peux prendre un engagement dans ta consommation d'alcool qui consiste par exemple une problématique, par exemple dans la dipsomanie, peut-être je bois pas souvent, mais par contre dès que je bois, c'est jusqu'au coma éthylique. Ok, combien de fois vas-tu le faire encore? Est-ce que tu es en mesure de donner un chiffre? Alors que ce soit 100, 30 ou 3, peu importe, l'idée est de rentrer dans le même processus habituel, mais avec une autre lumière, avec une autre conscience. J'expliquais lors de notre précédent entretien que la conscience guérit tout ce qu'elle touche. La conscience, c'est... même la science a du mal à le définir, mais on pourrait exprimer la conscience comme ce CE qui vit à travers nous. Cela, cette chose qui est en train d'observer le monde à travers mes yeux, cette chose qui est en train de faire l'expérience de l'univers, de la réalité à travers mon incarnation qui est très courte, si on laisse passer la perception de cette chose-là à travers ce que nous sommes, cette chose, cette lumière universelle, cette conscience universelle, cette intelligence du vivant, j'aime de plus en plus parler de l'intelligence du vivant, dont nous procédons et qui nous habite, ne peut pas laisser les choses avec lesquelles elle est en contact inchangées, ne peut pas laisser les choses mourir. Ou parfois, elle peut faire mourir certaines choses comme des illusions. Ce dans quoi nous sommes enfermés dans la problématique que j'évoque juste avant, qui peuvent être par exemple les troubles alimentaires ou les addictions, c'est qu'en fait, on interpose quelque chose entre la réalité, les phénomènes, et cette conscience universelle ou cette intelligence du vivant qui est la substance originelle qui nous habite et qui nous fait bouger, nous mouvoir et qui anime finalement ce sac de chair et d'os que nous sommes. Et bien, qu'est-ce qu'on interpose? C'est tout ce qu'on a mis sur nos épaules dès la naissance. C'est l'ego et tout le concept d'identité. Et ça, c'est un outil fabuleux qui consiste à survivre. C'est comme un programme informatique. La conscience ou l'intelligence universelle serait, par exemple, le système d'exploitation qui fait tourner la machine. Et dessus, on ouvre un logiciel. On ouvre notre fichier Word, et dans lequel on se raconte notre histoire. Voilà, je suis un homme, j'ai 30 ans, je suis hétéro ou homo, ou peu importe. Ensuite, j'ai ce métier, et puis il m'arrive ça dans ma vie. Et en fait, on se construit toute une narration qui vient définir notre identité. Et une fois que ces choses-là sont écrites, c'est très très dur de les effacer. Et cette chose-là, ce fichier Word, vient s'interposer entre ce qui est avant nous et ce qui se propose et la vie qui se propose face à nous. Et le processus de conscientisation, c'est justement prendre conscience de qu'est-ce qui demeure inchangé, qu'est-ce qui est difficilement changeable, quelles sont les lignes dans ce fichier Word qui viennent nous desservir en fait.
On pourrait parler par exemple de design existentiel, on pourrait redessiner notre vie. Mais si on ne regarde pas, si on ne fait pas défiler le fichier vers le haut, qui est en fait nos expériences premières, on a du mal. Et en fait, tout ce qu'on essaie de faire, c'est défiler vers le bas et voir ce qui se passe après. Et donc c'est pour ça qu'on a, par exemple, des troubles alimentaires, ou c'est pour ça qu'on étouffe nos émotions avec des dépressifs comme l'alcool, des substances dépressives, ou qu'on se suractive avec du café ou de la cocaïne ou des choses comme ça. Voilà. Par exemple, effectivement, on me consulte aussi pour des problématiques de couple. Pourquoi est-ce que cette problématique revient souvent? Tout simplement parce qu'on a en face de nous une altérité, on a en face de nous un miroir de conscience. Dans les couples hétéros notamment, nous avons en face de nous une polarité différente. On a pour les hommes un féminin en face de nous, pour les femmes on a un masculin en face de nous, mais le masculin peut porter du féminin en lui et la femme peut porter du masculin en elle. Et la question c'est comment est-ce qu'on vit ça ensemble? Comment est-ce qu'on unit les deux pour en faire quelque chose d'harmonieux? On vit tous un événement traumatique qui est le plus traumatique de tous, c'est l'arrachement à notre origine. L'accouchement est d'un traumatisme extrême, on est expulsé dans la vie avec une violence inouïe, et en fait on subit un arrachement à l'unité. Et de manière générale, toute notre vie, on sera épris d'un irrépressible désir de retour à l'unité, retrouver cette paix, retrouver cette origine, retrouver notre appelons-le notre maison ou notre de là où l'on vient. Comment est-ce qu'on va faire ça? Idéalement à travers l'autre, puisque c'est d'un autre qu'on vient, et c'est aussi de l'union de deux autres dont on vient. Donc on est animé, souvent inconsciemment, par un irrépressible désir de retour à l'unité. Et donc on va le faire à travers l'autre. Et pour peu que l'autre représente ce que nous n'avons pas, représente ce qui nous manque le plus, eh bien là ça vient ouvrir des trucs en nous qui nous submergent. Et le couple, de par cette réalité, on est en face de la possibilité de revenir à l'unité, mais sauf que l'autre est un autre. Et l'autre, de par le fait qu'il est un autre, vient s'opposer à notre désir de ne faire qu'un, notre désir de le posséder, notre désir, souvent parce que ce sont les travers du couple, on vit aujourd'hui encore dans une société, même si elle est en train d'évoluer dans cette culture qui veut des couples monogames, qui veut des couples exclusifs, avec une fidélité en fait qui n'a aucun fondement biologique. Et donc, on peut se laisser tenter par l'expérience de l'anarchie relationnelle ou du polyamour. Cette expérience-là va nous proposer de vivre plusieurs partenaires en même temps, avec des sentiments amoureux ou pas, mais en fait, on se rendra compte rapidement, et c'est pas moins bien ni mieux, c'est juste une autre polarité de l'existence, qu'en fait, nous n'allons vivre finalement que les bons côtés. Puisque à partir du moment où va se présenter un mauvais côté, on va avoir une autre personne avec laquelle vivre de meilleurs côtés. Et on peut se retrouver dans une situation fort confortable, mais où finalement on n'explore pas grand-chose, on explore la surface des choses. Lorsqu'on rentre en exclusivité, on se rend compte que puisqu'on a un but commun, puisqu'on veut avancer dans une direction commune, on est obligé de faire avec les mauvais côtés. Et c'est là où ça travaille vraiment, c'est là où on descend dans des strates qu'on ne rencontre pas dans l'ouverture des relations. Et il n'y a pas un mode qui est mieux que l'autre. La question c'est où est-ce qu'on veut aller et quel est le prix à payer pour ça? N'a-t-on pas une propension à se mentir à soi-même? En fait, la question c'est qu'est-ce qui est conscient et qu'est-ce qui n'est pas conscient? On se construit tous une forme de narration, on se construit tous une interprétation de la réalité qui va nous arranger pour la traverser de la manière la plus agréable possible.
Donc oui, dans un contexte de couple, on peut être amené, ça arrive d'ailleurs souvent, de se mentir à soi-même. J'aime cette personne, mais en fait, il y a une infinité de nuances dans la phrase « j'aime cette personne ». En fait, est-ce que j'aime ce qu'elle m'apporte ? Est-ce que j'aime la personne en tant que telle, peu importe ce qu'elle m'apporte ? Est-ce que j'aime le confort qu'on a développé ? Est-ce que j'aime l'attachement ? Ou même encore, est-ce que je suis amoureux du fantasme que nous essayons de poursuivre à deux ? On aura une maison, on aura des enfants, on aura une famille, parce que je veux reproduire, par exemple, ce que j'ai vécu en tant qu'enfant. Et en fait, je suis surtout amoureux de ce fantasme et je poursuis cette direction-là avec mon partenaire, alors qu'en fait, mon partenaire, à ce moment-là, n'est qu'un objet de réalisation de mon fantasme. Mais souvent, il arrive, parfois, plutôt que de dire souvent, ce n'est pas mon partenaire que j'aime. Et donc, pour citer des exemples que j'ai croisés sur ma route, on se ment à soi-même en disant « je l'aime » ou « je t'aime », mais en fait, ce que j'aime, c'est surtout la destination. Et le chemin, on l'oublie, puisque le chemin, en fait, ne devient que le moyen d'arriver à destination. Comme quand on parle du bonheur, le bonheur n'est pas une destination, puisqu'on n'y arrivera jamais finalement, c'est le chemin. Le bonheur, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « si tu n'es pas heureux là, maintenant, tout de suite, à la seconde près, tu ne le seras jamais ». Et pour le couple, ça peut également s'appliquer au couple, c'est-à-dire que je crois souvent des gens qui sont en couple pour cette destination et on oublie le chemin, et donc c'est un cauchemar quotidien de lutte pour arriver à une destination, et finalement quand on y sera vraiment, il y aura autre chose qui posera problème et on ne sera finalement jamais heureux. On peut prendre le problème de manière inverse, c'est chaque seconde heureux avec mon partenaire va favoriser le développement d'une situation future. Et la situation future n'est en fait qu'une construction d'un jour après jour. Et si on prend le problème de manière inverse, parce que nous sommes dépendants de schémas familiaux, parce qu'on veut reproduire une famille, ou peu importe ce qu'on veut reproduire, eh bien en fait le chemin devient très difficile pour une destination qui est potentiellement incertaine. Voilà, et donc dans ce chemin, il y a une voie qu'on appelle le tantra, et qui est en fait, alors dans le tantra, bien sûr, les gens qui survolent le sujet associent le tantra à la sexualité, alors que c'est beaucoup plus proche d'une notion de présence, d'une notion d'expérience directe de l'existence. Dans le tantra, l'aspect sexuel dans les textes fondateurs du tantra, je crois que c'est même pas 10% en fait, hein, c'est d'être en partie, hein, c'est d'être en conscience avec ce qui se joue vraiment là, maintenant, avec mon partenaire. Est-ce qu'on peut nommer la chose qui est en train de se passer, l'énergie qui est en train de circuler, qu'elle soit sexuelle ou non? Est-ce qu'on peut la nommer? Est-ce qu'on peut s'asseoir dedans? Est-ce qu'on peut la regarder? Est-ce qu'on peut se regarder dans les yeux en essayant de le nommer? Puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on fait finalement? On ne fait que se fuir en fait. On ne fait qu'utiliser l'autre comme objet de réalisation de l'expérience de vie qu'on souhaite réaliser. Mais à quel moment on se rencontre avec un grand R? À quel moment il y a vraiment union? Parfois, il y a des actes sexuels et il n'y a aucune rencontre. En fait, on ne fait que se pénétrer et puis finalement partir. Et les relations ressemblent toujours à quelque chose comme ça, en fait. À quel moment est-ce qu'on se rencontre avant de rentrer en contact physique pour essayer de rentrer en contact avec, justement, cette conscience universelle à travers l'autre, l'intelligence du vivant à travers l'autre. Et c'est là justement qu'on va toucher à quelque chose qui va se rapprocher du retour à l'unité. Quelque chose qui va se rapprocher à ce qu'on cherche tous. Et c'est peut-être en ce sens-là qu'on se ment. C'est « je cherche ça, je cherche une femme comme ça, je cherche un homme comme ça, je cherche à vivre ça, je cherche à m'engager, au contraire je cherche à être libre. » En fait, tout ce qu'on veut, fondamentalement, tous, quand on creuse vraiment sous toutes ces strates de justification existentielle, de fuite, c'est on veut faire l'expérience de l'unité et de l'amour. Sauf que comme soit on n'y a pas accès à cette réalité fondamentale, soit on ne veut pas se l'avouer pour plein de raisons, eh bien on va utiliser des choses qui sont purement extérieures et parfois on utilise des gens pour nous faire sentir quelque chose. Et ces gens qui nous sont proposés sur notre chemin de vie, avec lesquels on va pouvoir rentrer en couple ou rentrer en relation physique, c'est très 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 rare qu'on les rencontre vraiment,
qu'on est dans le présent. Et la voie tantrique propose ça au-delà de toute forme de sexualité. C'est-à-dire qu'on peut parler d'énergie sexuelle sans sexualité. C'est l'énergie de la présence. C'est ça, dans la multiplicité des voies, on pourrait le présenter comme l'ascension d'une même montagne par une infinité de chemins différents. Ou bien les voies seraient les facettes d'un même diamant, le centre du diamant étant un concept de vérité, de pureté, de lumière, mais en fait on peut la regarder sous plein de facettes. Et l'histoire, à travers différentes cultures qui ont été formées par différents événements, nous propose plein de voies différentes. On a le tantra, on a la méditation, et dans la méditation, nous avons plein d'écoles différentes. Il y a le zen, il y a aujourd'hui la méditation en pleine conscience, il y a la méditation transcendantale, et en fait, ce ne sont que des outils qui permettent d'accéder à, est-ce que je vais oser le dire, à une vérité universelle. Cette vérité universelle, la rencontre avec la source, qu'on pourrait aussi l'appeler la source, on ne peut pas la nommer. C'est l'ineffable, c'est au-delà. À partir du moment où on la nomme, ça disparaît. Un de mes auteurs favoris dit « Cela se débarrasse des mots comme une goutte d'eau sur le duvet d'un canard. » Ce n'est absolument pas nommable. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de prendre des chemins. Et c'est pour ça qu'on a tous l'impression de « moi je détiens la vérité et pas toi ». C'est-à-dire qu'à un certain niveau de recherche, quand on commence à s'engager dans une voie, et c'est ce qu'on constate chez la plupart des gens, et c'est ce qu'on constate dans les dérives religieuses, mon interprétation, c'est la bonne. Mais en fait, je ne vois qu'une facette de la montagne, et le jour où j'arriverai au sommet, les mots se dissiperont. Et donc, l'existence nous propose une infinité de chemins. Et on pourrait même créer le nôtre. Aujourd'hui, il existe, on voit émerger ce qu'on peut appeler une renaissance archaïque. C'est-à-dire que l'humanité a eu accès à ses premières considérations spirituelles et mystiques à travers l'ingestion de plantes sacrées. Et cela même avant la sédentarisation, ça faisait partie du bol alimentaire que d'ingérer des substances qui nous font accéder au transcendant. Donc il y a eu plusieurs, ce qu'on peut appeler des révolutions psychédéliques, qui consistent à contacter le transcendant, à contacter, peu importe comment on va l'appeler, l'âme, le divin, la conscience universelle, l'intelligence du vivant, la source, la conscience, à travers l'ingestion de quelque chose. Et là, on n'est plus dans une voie. On est dans l'expérience directe. On n'est plus dans un dogme, une doctrine et éventuellement une tradition, puisqu'une tradition n'est rien d'autre qu'un protocole qui favorise la survie face à des expériences difficiles. On est dans le contact direct avec quelque chose qui vient transcender notre ego, qui vient étouffer notre ego, qui vient mettre notre ego de côté. Et on assiste aujourd'hui à une vague de légalisation de ces substances qu'on appelle aujourd'hui entéogènes. Donc on fait une différence entre les psychédéliques et les entéogènes depuis peu. Les entéogènes, ça va être tous les psychédéliques qui vont avoir une dimension traditionnelle et sacrée et qui ne vont pas, des plantes qui ne vont pas faire l'objet d'une modification par l'homme. C'est comme ça qu'elle a été consommée de manière traditionnelle. Donc un psychédélique est un produit étymologiquement psychédélique qui va délier la psyché, entéogène, théo, les racines, comme dans théologie, Dieu, gène qui génère, et en nous, qui génère Dieu en nous. Et donc la différenciation entre entéogène et psychédélique, c'est qu'entéogène, il y a une dimension qui est plus, on va dire, naturelle, avec une intervention moindre de l'homme, et surtout une dimension traditionnelle. Le psychédélique, on va pouvoir l'utiliser à des fins récréatives, et ça donne des drames, et c'est d'ailleurs en partie pour ça qu'ils sont mal vus. Et les entéogènes impliquent quasiment de fait une utilisation non récréative. Voilà une autre voie qui est beaucoup plus directe et qui est à l'écart de tout dogme. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand c'est fait correctement, quand c'est fait avec une intention
de connexion spirituelle, une intention d'approfondir les choses plutôt que les fuir, on accède à une réalité, à la réalité derrière la réalité. On commence à percevoir du bout des doigts à quoi peut ressembler la source, à quoi peut ressembler le divin, l'âme ou la conscience universelle. Qu'est-ce qui va se passer? On va vouloir mettre des mots, parce que c'est absolument important. Donc moi j'ai vu, que sais-je, j'ai vu un aigle, et puis l'aigle il m'a fait voyager sur d'autres planètes, peu importe. Et puis du coup on va se dire, bah, c'est ça la vérité en fait. Et c'est comme ça que sont nées les religions. Donc on a quelqu'un qui s'est promené sur le mont Sinaï, il y a un buisson qui a brûlé, il a vu une apparition qui lui a donné 10 commandements, mais en fait il était complètement défoncé. Et c'est en ce sens que vont les travaux de plusieurs académiciens juifs qui explorent cette hypothèse-là. C'est l'origine, pour ainsi dire, psychédélique des religions. Il est un moment où nous avions tous, on ne partageait pas le même mépris envers ces plantes qu'on partage aujourd'hui, donc on avait tous l'accès à ces plantes sans aucune forme de dénigrement ou de discrimination. On nourrit notre corps et ça c'est parfait, mais quand est-ce qu'on nourrit vraiment notre esprit? Quand est-ce qu'on nourrit vraiment la connexion à l'âme? Quand est-ce qu'on nourrit vraiment notre spiritualité? Donc aujourd'hui, et je le dis à moitié en plaisantant, on assiste à un racisme envers les plantes. Je mange du basilic, de la menthe, du poireau, il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où cette plante va avoir un effet sur ma perception du monde et va venir l'altérer, et l'altérer ne veut pas dire la diminuer, mais juste provoquer une altération, qu'elle soit en faveur d'une ouverture de la conscience ou d'une fermeture de la conscience. Et bien là, on commence à dire « Ah non, 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 si ça modifie l'esprit, c'est pas bon. » Et donc, on vit dans cette croyance que, ou dans ces valeurs qui disent que toute chose qui va modifier notre perception du monde n'est pas forcément souhaitable. Et donc, nous avons des substances qui sont tout à fait légales, l'alcool, le tabac, le café, et surtout le sucre, qui a un pouvoir addictif supérieur à la cocaïne. Et ces choses-là vont nous permettre d'être en accord avec ce que la notion même de nation ou de gouvernement veut nous, dans laquelle elle veut nous pousser en fait. Donc le sucre va venir étouffer nos émotions, l'alcool va nous rendre plus dociles, le café va nous rendre plus productifs, on utilise aussi le tabac pour étouffer des émotions, et donc ça c'est tout à fait légal. Par contre, dès lors qu'une substance va nous permettre une certaine forme d'émancipation spirituelle, et de dire, ok, la religion c'est ça, par contre, si moi j'ai accès directement à l'expérience religieuse sans le dogme ou la doctrine de la religion, là je vais commencer à remettre les choses en question. Et puis donc ça c'est absolument pas souhaitable. Donc on a assisté en 73 l'interdiction de toute une panoplie d'entéogènes qui permettent l'accès à ce qu'on cherche vraiment depuis toujours. On assiste depuis plusieurs millénaires et d'une manière encore plus forte depuis quelques siècles à une distanciation entre notre culture, notre société, voire notre civilisation et la dimension spirituelle, tout simplement parce que la dimension spirituelle ne sert absolument pas ou ne sert plus et de moins en moins les intérêts d'une nation ou d'un gouvernement. On a commencé par les religions, puisque les religions permettaient de servir une vérité et permettaient au corps religieux d'intermédier, de s'interposer entre l'homme et l'expérience directe de sa spiritualité. Tu n'as plus besoin d'avoir une expérience directe, puisque moi je vais t'expliquer ce qui se passe. Et tu ne peux passer d'ailleurs que par moi. Ça a commencé avec une forme de chamanisme, où c'est le chaman qui avait accès à ces royaumes, à ces dimensions alternatives, pour donner l'interprétation à celui qui le consulte. Et puis après, on assiste à une institutionnalisation de ces interprétations des autres mondes sous forme de religion. Tant que la religion sert l'État, c'est parfait. À partir du moment où ça ne le sert plus et qu'on donne un autre opium, autre chose, en l'occurrence une forme de consumérisme,
un matérialisme assis sur un capitalisme, on se distancie maintenant encore plus de la religion et de la spiritualité. La différence entre la religion et la spiritualité, la religion c'est l'expérience de un appliquée à tous, et la spiritualité c'est ma propre expérience avec mes propres mots et mon propre vécu. La religion nous distancie de la spiritualité. Les considérations spirituelles, et on le voit dans le discours qui nous est servi, hein, dans cette forme de pensée unique, n'est absolument pas souhaitable, puisque ça va nous distancier de là où on veut nous amener, c'est-à-dire une forme d'asservissement, et il est très très important qu'on soit dépendant d'une certaine manière de vivre, d'une certaine idée du succès, parce que ça va nous rendre productifs, parce que ça va nous rendre dociles. Donc il faut absolument que je réussisse ma vie, il faut que je fasse carrière, souvent c'est corrélé à une idée d'argent, et tout ça va servir une direction à laquelle on veut nous amener, qui est en fait une forme de consumérisme. Tout comme cette société-là n'a pas besoin de gens sains, n'a pas besoin de gens guéris, n'a pas besoin de gens en bonne santé, puisque nous ne sommes pas rentables à partir du moment où nous sommes en bonne santé. Nous ne sommes pas non plus rentables à partir du moment où nous mourons, puisque nous ne sommes plus productifs. Il y a une petite zone de rentabilité qui est en fait un état dans lequel nous devons consommer des médicaments. Et toute chose qui pourrait éventuellement nous émanciper de ces consommations-là et de cette logique consumériste n'est absolument pas souhaitable. Et c'est en ce sens-là qu'on nous sépare de la spiritualité ou qu'on discrédite le discours spirituel. On le voit aussi dans l'approche psychanalytique traditionnelle où la notion de l'âme n'est absolument pas prise en compte. Alors, plusieurs mouvements depuis les années 70, voire les années 60, viennent prendre en compte dans l'approche, dans les approches psychologiques d'une dimension spirituelle. Le problème, c'est que l'existence de l'âme, l'existence de ce qu'on va pouvoir appeler Dieu ou la source, n'est absolument pas prouvée scientifiquement. On n'est pas dans une approche scientifique qui confine à tout ce qui est mesurable et reproductible. Je ne peux pas vraiment mesurer mon sentiment de connexion à la source et je ne peux pas le reproduire, ça n'est pas tangible, nous n'avons pas aujourd'hui les outils de mesure pour attester de l'existence de ces choses-là. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'on sent, c'est quelque chose qui vient bouger nos vies, il y a de plus en plus de gens qui se connectent à ce genre de dimension. Et il y a également plus en plus de gens qui se perdent dans l'extrême inverse, c'est-à-dire qui voient de la spiritualité partout. Alors, et c'est là où je vais sans doute créer pas mal de réactions, on va nous parler d'ange gardien, on va nous parler de vie antérieure, on va nous parler de maître ascensionné. Tout ça, ça n'est que des tentatives de l'humain de mettre ce qu'il perçoit de manière abstraite dans des cases et dans des mots. Ce qui est en fait la même chose que l'approche scientiste. Là, je perçois quelque chose, ça se reproduit plusieurs fois, donc il faut absolument maintenant que j'arrive à créer un protocole pour avoir accès. Et donc, je vois quelque chose, ah mais ça, c'est forcément mon maître ascensionné, ou mon double lumineux, ou mon ange gardien. Alors qu'en fait, tout ça procède exactement de la même chose. Il n'y a que l'humain qui va venir mettre des formes pour essayer de se rassurer à tout ça. Alors que la pensée hindouiste ou la pensée bouddhiste, sans retomber dans le même piège de l'adhésion à un dogme ou à une religion, nous propose des choses qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simples. Il y a une source, cette source nous habite, et là-dessus on vient greffer un ego. Et nous traversons notre vie avec l'identification à cet ego qui ne subit que des problèmes, que des challenges, avec en plus une société ou une culture qui vient nous dire bah, « il faut que tu réussisses, il faut que tu accumules des biens matériels qui vont te donner un semblant de succès » et puis on va avoir l'impression qu'on a réussi notre vie. Alors qu'en fait, on ne se sera jamais connecté avec là d'où l'on vient, avec notre vraie nature au-delà de l'ego. Une fois qu'on fait ça, on se rend compte, que ce soit par la méditation, que ce soit par les entéogènes, que ce soit par d'autres voies spirituelles non dogmatiques, une fois qu'on fait ça, on se rend compte que cette existence-là est juste une petite parenthèse dans une immensité. Et pour ceux qui arrivent à se connecter avec cette dimension spirituelle, ils arrivent à
toucher avec plus ou moins d'intensité le fait qu'il y avait quelque chose avant et qu'il y aura quelque chose après. Et que cette incarnation-là, dans laquelle nous sommes assaillis de tout plein de problèmes, n'est en fait qu'une courte parenthèse. Et un des messages que j'ai pu rencontrer, qui fait beaucoup de sens pour moi, et encore une fois, ce que j'exprime là, ce n'est que ma vision, ce n'est que mon prisme, ce n'est que mon chemin d'un côté de la montagne, et ce n'est qu'une facette du diamant. Tout ça est un jeu. Ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un terrain d'expérimentation, et c'est une pensée qui est très dangereuse dans une société immature. Dans une société où on pourrait dire « Ah oui, non, mais si c'est un jeu, c'est bon, on peut faire n'importe quoi. » Eh bien non. On rejoint dans ce « on peut faire n'importe quoi », on rejoint la notion de bien et de mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Là encore, on rentre progressivement dans une notion dogmatique ou manichéenne. La seule question qui prévaut, c'est « est-ce que ce que je suis en train de faire vient servir l'expérience que moi je veux faire de l'existence ?» Et qu'est-ce que je veux pour cette vie-là? Qu'est-ce que je veux pour les autres? Qu'est-ce que je veux pour moi? Et le choix, la direction que je suis en train de prendre, est-ce que ça va servir l'expérience de l'existence que je suis en train de faire? Et plus on va rentrer en conscience, plus on va descendre dans des strates de compréhension profondes, plus il va y avoir une forme de cohérence en accord, non pas avec l'ego, avec cette toute petite parenthèse dans cette immensité cosmique ou universelle, mais on va se mettre en rapport avec ce qui supporte, avec ce qui est vraiment originel à tout cela. Et on va commencer à développer des comportements qui sont plus cohérents, plus sains, plus humanistes, plus constructifs, et pas forcément dans le sens que les médias ou que la société, ou qu'une forme de structure capitaliste veut nous imposer. Quels seraient les deux chemins qui se proposent à nous? Alors, il y a une infinité de chemins, mais si on devait définir deux polarités, il y a effectivement un chemin qui est plus ici, qui est alimenté par les peurs, par le masculin, une forme de polarité masculine, qui est ce chemin ou cette polarité qui anime notre société patriarcale, consumériste, capitaliste, matérialiste. L'autre chemin, et c'est ce dont je parle souvent, c'est le chemin le plus long du monde, il consiste à faire 50 cm en partant de là pour aller là. Il se situe davantage ici, dans le monde des émotions, d'une forme de douceur. On pourrait lui faire coller, et je sais que ça peut faire bondir certaines personnes qui ont une certaine vision du féminisme ou du féminin, mais on pourrait lui donner une forme de polarité féminine. Et effectivement, ce sont ces deux chemins-là qui nous sont proposés. On assiste, et j'enfonce une porte ouverte, à une forme d'uniformisation de la pensée. Les médias nous servent un seul discours, et on se rend compte, dans la plupart des médias qui façonnent la culture, en tout cas dans sa dimension surfacielle, il y a un seul discours qui nous est servi. On le voit aujourd'hui à travers le vaccin, pour lequel je ne prends absolument pas position d'un côté ou de l'autre. Mais en fait, il y a une grande uniformité du discours des médias, que ce soit la télévision ou les grandes radios, et on ne le questionne pas vraiment. Mais là, ça s'exprime à travers le vaccin, mais ça s'exprime pour tout, en fait. Ça s'exprime pour l'idée d'une carrière, ça s'exprime pour l'idée du couple, ça s'exprime pour qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la réalité, et on ne questionne plus ce genre de choses. Et donc un autre chemin qui nous est proposé, c'est le chemin du questionnement. C'est le chemin de la responsabilité de sa propre pensée. Ce qui m'est servi comme soupe ici, c'est vraiment quel goût ça a, quoi.
Est-ce que j'ai envie d'en prendre encore un petit peu parce que ça me conforte, ou est-ce que je me dis, tiens, il peut y avoir autre chose derrière, une manière de manger différente? Ça passe par le questionnement et ça passe par la prise de responsabilité de son propre avis. Bien sûr, ça passe par une forme de courage. Le courage, c'est dépasser ses peurs, puisqu'on nous sert également des peurs. On nous imprime des peurs qui finalement ne sont pas les nôtres. On vient nous créer des peurs. Moi, j'observe parfois, quand je regarde les actualités sur Google et que je fais défiler, j'essaye d'observer mon niveau d'anxiété et mon niveau de stress. En fait, ce qui nous est servi, c'est qu'une approche de peur. De quoi doit-on avoir peur? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est en train d'arriver là? Mais en fait, on ne parle pas de toutes les belles choses et de tout ce qui est en train d'émerger et qu'on voit peut-être un tout petit peu plus sur les réseaux sociaux si on paramètre bien son fil d'actualité. Ça, c'est un autre chemin qui nous est proposé. C'est de se tenir à l'écart du discours et de la réalité telle qu'elle nous l'est présentée, en fait. Ce chemin-là, si on devait en déterminer quelques refuges, quelques petits pit stops, quelques petits oasis qui bordent le chemin, eh bien on y découvre la méditation, le tantra, les psychédéliques, plein d'activités comme ça qui nous reconnectent avec davantage cette polarité-là que cette polarité-là qui pourrait être tout ce qui va se situer là va être du domaine de la carrière, de gens qui se mettent en avant sur les réseaux sociaux de par l'apparence, de par le succès, de par une certaine idée de l'argent, qui est en fait une énergie qui doit circuler et qui ne doit en aucun cas être accaparée. Donc c'est ça l'autre chemin, c'est comment est-ce qu'on se connecte davantage à des choses qui sont plus sacrées que extériorisées et matérialisées. On pourrait dire que c'est un chemin qui est davantage une voie intérieure qu'une voie extérieure. Jung disait « celui qui regarde à l'extérieur rêve et celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Donc l'autre chemin qui nous est proposé, c'est pas un chemin d'extérieur où on va se montrer ou se mettre en avant et fuir l'intériorité, mais c'est au contraire un chemin qui va être davantage à se poser des questions sur qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que la nature de la réalité, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que la source, qu'est-ce que je fais ici. Et plutôt que d'essayer encore une fois, parce que c'est le travers de ce chemin-là, d'essayer encore une fois de mettre encore davantage de mots, encore davantage de concepts, acheter davantage de livres, adhérer à un dogme, adhérer à une religion, ce chemin peut nous proposer, enfin, ce chemin nous propose quelque chose qui relève plus de l'expérience directe. C'est-à-dire que plutôt que de me baser sur le discours d'un autre, qu'est-ce que moi je pense de l'expérience que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je pense quand je vois ce qui arrive? Qu'est-ce que je pense moi quand j'ai un rapport sexuel? Qu'est-ce que je pense moi quand j'ingère telle ou telle plante psychédélique? Qu'est-ce que je pense moi quand je suis en méditation? Et c'est là qu'on construit le monde de demain, à mon sens. La réalité qu'on perçoit est probablement construite par une somme d'expériences. Des expériences qui nous sont proposées par, encore une fois, quelque chose qui procède d'une volonté de pensée unique. La somme de ces... Enfin, la réalité qu'on perçoit étant issue d'un substrat, d'une accumulation d'expériences, si on ne change pas d'expérience, on percevra la réalité toujours la même. Et on s'engage, ou on engage l'humanité dans laquelle on a chacun notre responsabilité, dans une direction qu'on pressent tous. Ça ressemble à un mur ou à une falaise. Comment est-ce qu'on change nos expériences? C'est en se tenant à l'écart de ce qui nous est servi comme pensée unique, en nous tenant à l'écart d'un mode de vie consumériste, matérialiste,
d'une pensée, enfin d'une structure, on va dire, capitaliste. Et comment on en sort? Comment est-ce qu'on fait un chemin? Comment est-ce qu'on fait un pas de côté sur ce chemin qui nous est servi? Par exemple, c'est par la nature, par la méditation, par des considérations spirituelles sans adhérer à un dogme, mais en essayant de se connecter à sa spiritualité, par les émotions, par des activités qui sont liées au corps plus qu'au cerveau. Ça peut être le sport, ça peut être la danse, ça peut être le sexe, ça peut être la consommation d'antéogènes, ça peut être ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire une forme de communication et une forme d'exploration de sa propre psyché, de sa propre pensée. Quand je parle, je suis davantage connecté ici que là. Et je vois que quand je dérive dans des choses qui sont trop cérébrales, je deviens de moins en moins pertinent. Et donc c'est comme ça qu'on change la perception de notre réalité, donc notre monde, donc notre quotidien, et qu'on arrive à prendre un chemin de vie différent, qu'on arrive à induire des changements. C'est se connecter à des choses qui sont plus de l'ordre de l'intériorité que de l'extériorité. C'est une approche intéressante que de penser que l'émergence d'une forme de totalitarisme aura à terme une dimension positive. J'y adhère pas forcément, mais on peut le regarder sous cet angle-là. En fait, c'est comme dans notre vie, il y a des événements qu'on pourrait qualifier de négatifs ou qu'on va placer dans la polarité du mal ou de la noirceur ou de l'ombre, qui sont en fait que des propositions qui nous amène à nous affirmer d'autant plus, qui nous amène à nous positionner encore plus vers ce qu'on veut, qui sont en fait juste des épreuves passagères. Donc là, ce qu'on est en train de traverser depuis maintenant, bientôt quelques années, n'est peut-être qu'une proposition de nous positionner différemment. On assiste aussi, on pourrait pousser cette logique à travers de ce qu'on est en train de faire de la nature. C'est ce que j'expliquais la dernière fois. On n'est pas forcément en train de détruire la nature, on est en train d'essayer de voir quelles sont nos limites, et on est en train d'essayer, de manière tout à fait inconsciente, de reformer la nature à un nouveau paradigme. Ce qui ne veut pas dire, je ne veux absolument pas dire que ce qu'on est en train de faire est positif, je dis juste que ce qu'on est en train de faire donne une direction aux événements qui trouveront leur sens plus tard. En fait, chaque événement, on a tendance à lui accorder une polarité. Et on ne peut absolument pas, c'est très humain que de dire ça c'est bien, ça c'est mal. En fait, probablement que chaque événement a sa raison d'être dans un plan qui, on pourrait éventuellement le penser, est parfait, est déjà écrit. Dans ce qu'on est en train de faire à la nature et à la planète, on est peut-être tout simplement en train de pousser l'intelligence du vivant vers un autre paradigme. On est peut-être en train de détruire, mais on est peut-être en train de transformer. Ce qui peut nous amener ici à la question du transhumanisme. Beaucoup de gens qui sont dans une polarité très spirituelle sont assez réticents à l'idée du transhumanisme. En fait, si on arrive à rentrer en contact avec le fait que nous sommes la nature, et nous ne sommes pas séparés de la nature, mais nous sommes un produit de l'intelligence du vivant. Quand on pense à la nature, on pense aux arbres, on pense aux animaux, on pense aux biotopes, et puis on s'extrait volontiers de cet univers-là, alors que nous n'en sommes en fait qu'un produit. Une question intéressante, c'est, et si nous étions un outil qui est en train de faire exactement ce que la nature souhaite? Et si nous étions l'outil qui est nécessaire à une transformation que la nature elle-même telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire plus primaire que nous, n'est pas en mesure de faire sans nous. Et si nous étions partie intégrante de la nature, et ce que nous sommes en train de faire est quelque chose de savamment orchestré par l'intelligence du vivant. Et l'intelligence du vivant, elle n'est pas différente dans un arbre qu'en nous.
il est une possibilité que si la nature était habitée par une forme d'intentionnalité qu'on pourrait appeler conscience universelle ou intelligence du vivant, eh bien, on est en train de faire exactement ce dont elle a besoin pour accomplir cette intentionnalité. Et peut-être que le seul but du vivant et le seul but de la nature, c'est de se répandre au-delà de cette sphère terrestre, de cette petite boule bleue. Et c'est ce qu'on est en train de faire, et le transhumanisme, en fait, n'est qu'une voie, n'est qu'un outil pour favoriser cette expansion de la nature. Puisqu'en fait, nous sommes la nature. On associe souvent le transhumanisme à la perte d'une forme d'humanité. Alors à quoi ça va ressembler le transhumanisme? Ça va notamment ressembler à une forme de couplage entre l'homme et la machine, entre l'informatique et ce qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de naturel dans notre corps ou de spirituel. En fait, on assiste à ce genre de résistance à chaque changement de paradigme. La question, c'est à quoi le transhumanisme va nous servir? Est-ce que c'est à toujours plus de productivité, de matérialisme et de consumérisme? Ou est-ce que c'est à, au contraire, à se rendre compte qu'en fait, on ne peut pas se passer de ressources naturelles et qu'il va falloir orchestrer, organiser ces ressources de manière différente, plus en accord avec notre environnement? Et quand bien même nous dérivons vers des considérations beaucoup plus informatiques que naturelles, il s'agit là simplement d'un changement de paradigme qui n'a, à mon sens, rien à voir avec la perte d'une spiritualité, mais le rapprochement à une forme de spiritualité. Puisque l'informatique, parce qu'on maintenant on utilise ce mot-là pour, encore une fois, c'est un mot pour essayer de qualifier et de définir une approche de la réalité différente, qui est plus artificielle. Mais à la base, c'est de la circulation d'informations. La nature n'est rien d'autre qu'une circulation d'informations. Un arbre se développe selon quelque chose qu'on pourrait percevoir comme un algorithme. Et en fait, on est en train de rien faire d'autre que de recréer la nature 2.0. Et ça n'implique pas forcément de détruire celle dont on est issu. En fait, ce n'est juste que le produit du développement d'une intelligence. Il y a un concept qui est vraiment développé beaucoup mieux que je le ferai par les futurologues, c'est le concept de singularité. La singularité, c'est à un moment dans le développement d'un système où le développement est tellement rapide, puisqu'on assiste à une forme d'exponentialité, comme l'exponentialité de notre développement technologique. On a fait beaucoup plus de progrès sur les 100 dernières années que sur les centaines de milliers d'années précédentes, donc on assiste à une courbe exponentielle. La singularité, c'est le moment où cette courbe atteindra une verticalité telle qu'on est incapable de prévoir ce qui va se passer la seconde d'après. Il va y arriver ce qu'on appelle un changement de paradigme. Et le transhumanisme mène vers cette verticalité de la courbe. Peut-être, et c'est vraiment une question ouverte, je n'ai pas vraiment de parti pris, peut-être que l'atteinte de cette singularité va nous mettre en contact avec des choses qui sont beaucoup plus archaïques. Peut-être que c'est la singularité, c'est-à-dire le moment où notre développement technologique va être imprévisible puisqu'il sera plus rapide de seconde en seconde, peut-être que c'est juste ce climax, ce momentum où le serpent se mord la queue et on retourne à quelque chose de beaucoup plus originel. On voit dans les traditions, dans les ésotérismes de toutes les religions originelles et dans le discours de certaines personnes qui ont accès à d'autres réalités, on voit la nature ascensionnelle et circulaire de l'univers. Tout est circulaire. On le voit également dans la structure de l'ADN. On a quelque chose comme une double hélice. On le voit dans la circulation des planètes. On s'imagine le système solaire comme quelque chose qui est sur un plan et qui est immobile. En fait, le système solaire se déplace et quand il se déplace et qu'il tourne, ça fait également la même structure que l'ADN. Et en fait, nos expériences de vie, c'est la même chose.
On n'est pas en train de faire ça, nous, dans nos vies individuelles. En fait, on est en train de faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais le tour d'un problème, et finalement, je vais encore revivre le même problème, mais juste à un niveau de conscience supérieur. Et encore une fois, et on est constamment dans une évolution qui est un peu circulaire, puisqu'on tourne autour des mêmes choses. Et donc la question, c'est est-ce que le transhumanisme, est-ce que cette approche un petit peu qui à la tonalité un petit peu sombre, est-ce que ça n'est pas, est-ce que cette singularité vers laquelle nous allons tendre, vers laquelle nous tendons de manière irrémédiable, est-ce que ça n'est pas du même ordre que l'apparition de l'homme pour la nature? Il y a avec le transhumanisme un même saut de paradigme, qui est un saut de paradigme qui est du même ordre que l'apparition de l'homme pour le monde végétal. Et c'est peut-être tout simplement la direction que la vie prend. Ça procède peut-être d'une intentionnalité du vivant à faire une expérience toujours plus jouissive et toujours plus complexe d'elle-même. Donc, je ne partage pas le mépris habituel des gens spirituels pour le transhumanisme, parce que c'est peut-être, et je laisse la question ouverte, c'est peut-être une direction fondamentalement positive, sous réserve qu'on utilise ces nouvelles technologies à des fins qui soient plus en rapport avec cette polarité-là, dont on a parlé avant, que cette polarité-là. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce levé. Si tu apprécies le contenu de cette chaîne, abonne-toi. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Merci.